Voici ce qui a fâché les gens. Écoutez. Du lest sur cette question-là, pour que ce corps soit restitué à la famille. Et l'émoi que cela avait provoqué, moi, c'est quelque chose qui m'avait manqué à vie. Du Premier ministre Baouri. Oui, le Premier ministre du glissement, pour moi. Oui, c'est le Premier ministre du glissement, Lamine. On a l'impression qu'il n'a qu'un seul discours à la bouche depuis son arrivée, c'est parler politique et que de glissement. Au même moment, on nous a dit que le pays était en refondation. Mais 3 ans après, et la fondation ancienne a été rasée par des bulldozers, mais la nouvelle à laquelle on s'attendait n'est toujours pas posée. Toujours pas. Finalement, on est en train de bâtir sur du sable mouvant. C'est véritablement l'impression qu'on a aujourd'hui. Je regarde M. Baouri, je regarde la Guinée, j'ai juste pitié des Guinéens. Je me demande comment est-ce qu'on peut en arriver là pour une telle lumière maximum de partage. Comment est-ce qu'on peut en arriver là au point de raser soi-même, au point de placer en pleine euthanasie ses propres idéaux, ce pourquoi on s'est battu toute sa vie. Je ne peux pas vous dire toute ma déception, sincèrement. Parce que de M. Baouri, je n'attendais pas quelqu'un qui deviendrait un idéologue d'un pouvoir militaire. Et un pouvoir militaire, pas n'importe lequel, un pouvoir militaire brutal. Un pouvoir militaire assez brutal. Aujourd'hui, vous parlez de droits humains. M. Baouri renvoie la question du revers de la main. Aujourd'hui, vous parlez des droits des citoyens, par exemple à l'électricité, à l'eau, il vous renvoie tout ça du revers de la main. Tout ce qui est aujourd'hui posé en termes de débat, en termes de réclamation citoyenne, il vous dira toujours que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Finalement, ces 3 premières années de la transition auront servi à quoi? Et vous le voyez même s'accaparer de projets qui ne viennent pas de lui. Tout à l'heure, en off, on était en train de penser à cette histoire d'EPA. Tout le monde sait en Guinée que l'un des plus grands problèmes qui se pose aujourd'hui à notre État et qui nourrit surtout la corruption, c'est l'existence, c'est l'explosion du nombre d'EPA. Mais c'est un travail qui est fait depuis. Ça ne relève pas de lui. Il annonce son initiative. Il faut avoir au moins l'honnêteté intellectuelle quand vous poursuivez l'œuvre de vos prédécesseurs de dire l'État a fait ci, l'État a fait ça, et voici ce que nous allons aussi y ajouter. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Aujourd'hui, il nourrit la crise, il nourrit les tensions, à bien avant l'heure. 7 mois avant la fin de la transition, il dit à tout le monde, on ne parlera pas de transition, et il n'y aura rien. Il n'y aura pratiquement, peut-être même... Maximum de partage. Vous êtes sûr de ça? C'est un mauvais procès qui est fait à Baouri. Baouri. Tu diras tout à l'heure ce que tu en penses. Moi, je n'ai pas dit. Mais Baouri, ne nous a pas dit. Ouais. Vous pouvez dire que c'est un mauvais procès, mais il ne vous a pas dit qu'est-ce qu'il a fait justement pour qu'il n'y ait pas ce glissement. Ouais. Jusqu'à présent, depuis son arrivée. Il a quel pouvoir? Non, mais finalement, je ne te lis plus. Bien. Il est illisible. Ouais. Parce que. Il est pas au ribis. Dans ce cas-ci, ce n'est pas lui qui a le pouvoir, ouais, qui se taise sur la conduite de la transition. Non, moi, je ne te comprends plus. Non, il a une mission. Il a une mission qui lui est confiée. Oui, c'est quoi sa mission? Et c'est ce qu'il est en train de faire à mon avis. C'est quoi sa mission? C'est sa mission. Aujourd'hui, constituer le fusible pour le CNRD. Communiquer avec la partie politique, dire clairement la position, de la volonté même du CNRD à ses pairs de la classe politique. Après cela, vous ne trouverez rien d'autre que je ne peux pas, je m'en vais. Bien. À sa place, vous feriez quoi, mesdames? Je n'aurais pas été à des grandes gueules. C'est pas compliqué. Ouais. Je le dis, tout le monde m'entend. Je n'aurais pas été à sa place. Ouais. Parce que je n'aurais pas accepté, moi je n'accepterai pas la prime. Vous savez pourquoi ils ont fermé ces médias
attendez, il y a la deuxième partie, je vais vous faire écouter. C'est que ces gens-là ne sont pas venus pour la démocratie. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est un petit clan. Comme ça, cancan pour le donkey, on est pressé parce que à coup de milliards, écoutez, on hein, est en train aujourd'hui partager. De des tenues, on va distribuer beaucoup de tenues, l'administration va vider encore qu'on a pris. Partager. Tout le monde ira écoutez. Là-bas pour faire la fête et on nous sort des mesures cosmétiques. Ouais, le Fouta est l'invité de cette année. Voilà. Ceci, cela, ça n'a aucun impact. Voilà. Ni sur notre société, ni sur notre économie, sauf un impact négatif d'ailleurs sur nos finances publiques. Tout ça, il le sait. Qu'est-ce que vous êtes en train de réussir? Dites-le nous, parce que les Guinéens, l'argent est en train de devenir une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, il vous l'a dit l'autre jour. Attendez, désolé la famille. Écoutez, suivez bien. Des vendeurs, un vendeur de véhicules que tu connais, que tout le monde connaît, un gros, qui avait l'habitude de vendre une dizaine de véhicules au moins par mois, vous dit, aujourd'hui, en 6 mois, je n'ai réussi à vendre pratiquement que 2 ou 3 véhicules. Au même moment, tu es dans un pays où tu vois des petites filles, des stagiaires qui rentrent, qui voilà, ont un Range Rover. Écoutez. Sortie d'usine en plus. Voilà. Je vous dis, Range Rover sort des stagiaires qui ne sont même pas encore à la fonction publique, qui sont dans des entités publiques. Tu vois une petite fille comme ça, elle est dans un appartement de 2. Je vous fais écouter ça. Voici ce qui a piqué les bandits. Voici ce qui les a piqués. Parce qu'on les a dit la vérité crue. Ça les a dérangés. Il faut éteindre toutes les radios. Ce qui les a touchés, c'est ça. Écoutez bien. Comme ça, dans un immeuble qui ne coûte pas 3 millions, mais elle roule en Range Rover parce qu'on te dit elle est parrainée par telle. Elle est parrainée par telle. Notre ville. Monsieur, elle est identifiée, elle travaille à la RTG. Il y en a beaucoup. On le sait. Non, non, non. C'est même pas seulement la RTG. D'accord. Je te dis, il y a beaucoup. Tu as vu ces gars-là ici, ont été, ils ont été capables de faire quoi? Tu as vu la nuit des TikTokers à Conakry? Tu as vu la nuit des TikTokers à Conakry ici? Oui. Alors, il faut te calmer. C'est dans beaucoup de services aujourd'hui en Guinée où tu vois ça. Dans les quartiers aujourd'hui, des jeunes filles, et puis les petits démarcheurs, magrins. Ce sont eux, seuls pratiquement aujourd'hui, qui arrivent à s'acheter des véhicules. Au même moment, tu travailles dur, c'est à peine si à la fin du mois, tu peux arrondir les emplois. Maximum de partage. Les jeunes aujourd'hui entreprennent. Combien d'entreprises aujourd'hui résistent au choc? Sur 1000 entreprises aujourd'hui créées, combien à la fin de l'année vont continuer encore? Tout ceci ne les préoccupe pas. Bien. Ce qui les préoccupe, c'est des mesures aussi fallacieuses, aussi farfelues que quoi? Branding national. Branding. Pour aller foutre plus. Moi-même. Pour aller sortir encore les 10 ans qu'il y a. Merci beaucoup. Lamine, ils sont en train de dire branding national. Là, je suis en train de sortir. Voilà. Et regarde la contradiction de ces gens-là. Ils n'ont qu'à s'adresser au Nimba pour que les incendies cessent. Bien. Ils n'ont qu'à aller prier leur nouveau Dieu là. Faut pas qu'ils demandent aux églises d'organiser des journées de jeûne et de prière, alors que ceux-ci leur ont dit, nous, nos religions ne nous permettent pas ça. C'est toi qui veux venir à la prière avec, comment on appelle ça, l'effigie d'une idole ou d'un dieu traditionnel. C'est Guinée. Tu veux venir. C'est Guinée. C'est Guinée, oui, mais c'est... De voilà, c'est Guinée, c'est une religion. C'est vrai. Oui, mais c'est là votre sécurisme. C'est Guinée. C'est ça votre sécurisme. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est accepté en l'islam? Ouais. C'est accepté? Donc, quand vous avez décidé que, officiellement, votre transition là, elle va se dérouler avec la bénédiction d'un Dieu en particulier, quand ça ne va pas, aller prier ce Dieu. Ne nous embarquez pas là-dedans. Ne nous demandez pas d'aller prier nous, notre Dieu, notre grand Dieu qui aime la pureté, qui aime la sainteté et qui aime surtout la vérité et la sincérité. Bien. Allez adorer votre Dieu. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Allez-y. Voici l'émission. En quelque sorte, ce n'est pas la seule émission. Parce qu'il y a eu l'émission de film qui a fâché les bandits du CNRD. Un groupe de bons à rien, parce qu'on les a dit la vérité. Cette histoire de branding, l'ancien DJ, Djiba, un ancien DJ, Bessia Port là-bas, demandez les gens, ceux qui connaissent Djiba, il a quel diplôme? Demandez Djiba, il était en Europe, il faisait quoi? Des vauriens comme ça, des toka comme ça, on les nomme à des postes de responsabilité. Regardez, encore, je vais vous montrer. C'est-à-dire pour eux,
Attendez, présidence. Ok. Dieu merci, ça y est. Ça dit, ils ne connaissent rien si ce n'est pas leur publicité de branding. Rien d'autre que ça. Ils sortent des milliards. Ça les a dérangés. Les journalistes les ont soutenus ici. Mais les mêmes journalistes ont compris que c'est des vauriens, c'est des bons à rien, c'est des voleurs. Maintenant qu'on les critique, ça les dérange. Ça les dérange, les cœurs, la famille. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Ils ne veulent pas qu'on parle. C'est pourquoi nos pages aujourd'hui sont attaquées par tous les moyens. Mais on a trouvé la solution. Pour ceux qui viennent de voir ma nouvelle page en général 5 étoiles, abonnez-vous à la page générale 5 étoiles. Vous aurez les notifications. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Vous voyez aujourd'hui, ce soir, le nombre est monté parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Parce que les voyous ont mis de l'argent, beaucoup d'argent. Les voyous ont payé des experts dans la technologie. Donc, abonnez-vous à cette nouvelle page. Bah, regardez. Ils ne connaissent rien. Allez construire une petite école à Kassa. Attendez, je vais vous montrer. Une petite école à Kassa. On ne vous dira pas le coup. Hein. C'est voyou là. Et après, quand on parle. Regardez la démagogie. C'est ce qu'ils savent faire. Le Diba qui est au milieu là. Avec leur connerie de branding. Regardez. Regardez. La digitalisation, la numérisation, c'est plus. Regardez le Diba. Des fourriens comme ça. Casser la facture numérique. De faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir accès au numérique. Ça a un effet accélérateur de formation, de connaissances, de culture. C'est cet aspect global que nous. Regardez, hein. Quand l'État a fait quelque chose, même un particulier, des bons à rien comme ça, avec leur t-shirt, qu'au branding, ils n'ont rien à faire. Publicité de branding, des milliards sortent. Vous allez voir ce projet, c'est des milliards qu'ils ont fait sortir. Ils sont allés faire ça où? Sur les îles là-bas. Qui a les moyens de prendre les bateaux pour aller là-bas? Un bande de comédiens comme ça.